araignée. L'araignée est un être qui pue des pieds. Dans sa toile, il attend d'empester les brigands. En garde, car l'araignée est là. Oui, elle est là, l'araignée, mesdames, messieurs. Spider-Man, comme on disait quand j'étais petit, alias l'homme araignée. C'est ma figurine que j'avais achetée au marché de Malakoff quand j'étais petit. On avait mis une ventouse avec ma petite sœur à la place de la main qui était tombée pour pouvoir le coller au plafond. C'était top. C'était toute mon enfance. J'ai adoré. Et voilà. Alors, ça me fait plaisir de faire ma rentrée aujourd'hui avec le héros de mon enfance, Spider-Man, en chair et en os. Pas très enfant, regardez, il a des trous à ses chaussettes. Mais c'était ça aussi, hein, Spider-Man, c'est pour ça qu'on l'aimait. Il était faible, tout ne marchait pas toujours comme il voulait. Mais en tout cas, c'était mon enfance, j'y jouais sur Atari 2600. Regardez, j'ai gardé la boîte, elle est un peu moisie, avec la cartouche d'époque. Je vous rappelle que cette année, c'est exceptionnel, mais on fera du rétro gaming dans chez Marcus, c'est prévu. Je vais me mettre de temps en temps à un vieux jeu sur console NES, sur Atari 2600, peut-être sur ColecoVision, on verra. En tout cas, on va se faire plaisir. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, hein, aujourd'hui on reste avec des jeux récents, et The Amazing Spider-Man, le jeu inspiré du film, du reboot. Et regardez, moi aussi, j'ai rebooté ma pièce. Regardez, tout a changé. C'est un peu comme avant, mais pas tout à fait comme avant. Déjà, honneur à Spider-Man, avec ce magnifique poster, avec la mort de Gwen Stacy, un épisode absolument culte. La nouvelle figurine de Spider-Man, qui est beaucoup plus réussie que la mienne, on peut la mettre dans toutes les positions. Et puis voilà, bah regardez, il y a plus d'espace, ça a commencé à ressembler un peu à n'importe quoi chez moi. Regardez, j'ai refait toutes les vitrines, c'est absolument splendide, j'ai pu mettre tous mes jouets quand même. J'ai même acheté, j'ai fait du tuning, regardez, j'ai des petites lampes, oh, qui peuvent varier, on peut faire varier la lumière et mettre la couleur qu'on veut. Un vrai gamin, je m'amuse comme un fou avec ça. Et puis surtout, bah voilà, j'ai refait enfin la vitrine de Star Wars dont je rêvais quand j'étais petit. J'ai pu mettre toutes mes petites merveilles, y compris, regardez, les jouets que je faisais moi-même quand j'étais petit, avec deux bouts de carton et deux bouts de ficelle. Voilà, bon, j'essaierai de vous montrer tout ça au fil de l'épisode. Et regardez surtout, merveille des merveilles, la table basse en forme de manette NES customisée Star Wars, s'il vous plaît. Vous voyez bien le logo un peu Star Wars, réalisé par mes amis de Saturday Man qui me l'ont offert et qui fonctionne vraiment. Regardez, il y a vraiment les touches, Start, Select, et puis les touches, on peut vraiment jouer. Donc on jouera dessus, on fera des jeux en rétro gaming sur cette manette, ça va être hallucinant. Mais donc pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est Spider-Man. Spider-Man, on disait en français, hein, parce qu'on ne savait pas parler anglais à l'époque, donc on disait Spider-Man. Ah, j'ai jamais compris comment cet écran se bloquait. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'écran. Voilà. Allez, en route aujourd'hui, donc, The Amazing Spider-Man, qui renoue avec les bonnes traditions des bons jeux Spider-Man. C'est parti. Oh, regardez comme il est beau. Je trouve pas mal son nouveau costume. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film, il est plutôt réussi. Un bon reboot. On a, pourtant, ceux de Sam Raimi étaient très bien, hein, mais vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez fabuleux. Donc me voilà évidemment au-dessus de New York. C'est un peu brumeux aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Parfois ça se passe le jour, parfois la nuit, des fois il pleut, des fois... Enfin voilà, il se passe plein de trucs à chaque fois. Le climat peut varier, donc c'est pas le plus joli. Il y a des moments où il y a un peu de... Comment dire, un beau coucher de soleil, par exemple, sur New York. Ça fait toujours son petit effet. Attendez, là je suis attaqué par un robot. Par un robot de chez Oscorp. Ah, regardez, c'est quand même pas mal, ce petit effet de lumière, là. Voilà, donc on va essayer, je vais le déglinguer, sinon je pourrais rien faire d'autre avant. Donc le scénario de ce Amazing Spider-Man suit un peu celui du film, mais en même temps pas vraiment. On coopère avec le lézard, qui est devenu notre pote, qui essaye de trouver une antidote, l'espèce de gène mutant qui transforme les gens en animaux en fait. Il s'amuse à mélanger de l'ADN de rats, de lézards, d'alligators, de rhinocéros avec des gens, donc forcément ça fait des trucs pas terribles. Voilà, donc il va falloir que je lutte contre à la fois les bestioles mutantes et aussi contre les robots qui ont été créés par Oscorp, la société Oscorp, pour lutter contre les mutants. Donc étant moi-même un mutant, évidemment, les robots tout de suite me sautent dessus dès qu'ils me voient. Ce qui est le cas de celui-là. Donc j'ai quand même, moi, essayé de le choper avant qu'il m'achève. Peut-être prendre un peu de hauteur, ça m'aiderait. Voilà. Et faut que j'arrive à grimper dessus, en fait. Donc je vais essayer de lui balancer un petit peu de toile. C'est un peu confus là, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, je vais réussir à me noyer. C'est incroyable. En plus des fois il dit je ne suis pas une araignée aquaphile, ou je sais plus ce qu'il dit. Oui, parce qu'il a des petites vannes assez sympas. Bon, alors il est où ce robot? Je ne sais plus. Je crois qu'il m'a lâché la grappe ou pas? Ou bien, je l'ai eu? Non, je crois que je l'ai pas eu. Alors ça, la grosse tour à ma droite, c'est la tour de Oscorp.
Ah, il faudrait que je récupère une petite page de comics, ce serait pas mal. Putain, il y a tellement de choses à vous expliquer dans ce jeu. Moi, j'adorais les Spider-Man d'Activision sur la première PlayStation. Je trouvais que c'était super et que depuis, ça s'était un peu perdu. Là, je retrouve les sensations de ma jeunesse et je suis vraiment content. On se balade à travers les rues de New York au bout de sa toile. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. On peut vraiment aller où on veut. Je vais juste regarder sur la carte. Ah ben, il n'y a plus rien sur ma carte. Normalement, j'ai des missions sur ma carte. Sauf que là, elles n'apparaissent pas. J'aurais bien aimé vous faire quand même une mission. Parce que c'est joli de se balader comme ça, mais il faudrait que ça serve à quelque chose. Comment ça se fait, ça? Que s'est-il passé? C'est parce que j'ai pas dégommé le robot et qu'il a disparu? Ce serait un bug? Un bug dans un jeu de l'araignée, ce serait quand même drôle. Vous avez peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Non, bug en anglais, ça veut dire un insecte, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris ma petite blague foireuse. Je suis content de vous retrouver pour cette rentrée. Je vais pouvoir faire plein de mes vieilles blagues des années 80, commencer par le générique de l'araignée que vous avez chanté tout à l'heure en intro, qui est ce qu'on chantait nous dans les cours de récré, d'après le générique qu'on entendait à la télé. Bon, voilà, toujours rien. C'est génial. Bon, bah c'est super, j'ai aucune mission. Je ne sais pas quoi faire, les amis. C'est la première fois que ça m'arrive. Écoutez, bah, on va bien commencer la rentrée. On va faire un petit fast-forward jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Et que je puisse, voilà, au moins déclencher une mission. Parce que là, j'ai rien d'autre à faire que faire le zazou au bout de ma toile. Donc, à tout de suite. Je résous le problème et à tout de suite. Je dois trouver quelle est la source du problème et le régler. Qu'est-ce qu'il fait là, ce transmetteur? Salut, c'est Spider-Man. Je ne peux pas répondre parce que mon téléphone est en panne. Eh ben voilà, c'était ça l'explication. Il y a des méchants qui nous brouillent le radar et j'ai réussi à me noyer. Non, mais c'est pas possible. Il y a des méchants donc qui nous brouillent le radar et qui nous empêchent d'avoir accès à nos missions. Bon bah écoutez, on va la faire, c'est une mission finalement qui se déclenche de temps en temps. Donc il y a trois antennes relais à dégommer pour pouvoir continuer. J'en ai déjà dégommé deux là pendant que vous me regardiez pas. On va juste aller dégommer la troisième, comme ça vous verrez ce qui se passe. Voilà, je voulais pas refaire une mission que j'avais déjà faite. Bah, ça tombe bien. Allez, on grimpe. Monter d'un coup très haut, regardez, et on peut même carrément faire une sorte de petite pause, hop, pour choisir l'endroit où on va aller se poser, par exemple là-haut, et hop, il y va directos. Donc c'est juste la classe, mais bon, c'est Spider-Man, il a la classe, on le sait. Donc voilà, il y a des petits robots qui défendent le truc, donc je les entortille, ils ont un champ de force, donc faut d'abord que je les entortille dans ma toile, et ensuite je peux les choper et les faire tournicoter, et si possible les lâcher sur leur compère. Voilà. Dégage! Et c'est ça, cette espèce de saleté qui m'empêchait de commencer ce chez Marcus et qui nous a planté notre belle rentrée quand même, si c'est pas lamentable. Voilà, ça y est, je retrouve enfin la carte avec la carte donc de New York. Non, ça c'est des améliorations. On va y arriver. La carte de New York. Oh non, s'il vous plaît. Je t'écoute. Voilà, avec les différents endroits où je peux aller. Donc il y a des patients qui sont infectés et qu'il va falloir que je ramène chez eux. Par exemple, tiens, allez, on va aller sauver celui-là. Hop. Vous avez vu, j'ai marqué sur la carte l'endroit où je devais me trouver. Et enfin, la mission que j'ai choisie. C'est un peu open world, je peux faire plein de petites missions. Il y a des gens évidemment qui sont agressés dans des ruelles. Il y a des personnes infectées. On peut faire des missions de journalistes aussi, prendre des photos. On vous cherche par exemple de prendre des photos des fans de Spider-Man pour remonter un peu votre code de popularité. Donc quand vous sauvez quelqu'un, il faut prendre en photo, histoire de faire comprendre que vous n'êtes pas si méchant que ce que vous avez l'air d'être. Voilà, et me voilà attaqué par un robot entre-temps. Ah bah ça va pas être facile, ça va pas être facile aujourd'hui. C'est un peu dur la rentrée des classes pour moi aujourd'hui. Je me prends dans les photos publicitaires. Décidément, je fais n'importe quoi. Bon, un peu de concentration parce qu'en plus, c'est pas si compliqué que ça. C'est super spectaculaire mais facile à jouer. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de se stresser. Ça, c'est la banque où je vais essayer d'aller tout à l'heure. Il y a un braquage en cours. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un grand classique. On va aller faire un braquage. Mais d'abord, je voulais vous faire voir comment on pouvait ramener un gars qui est infecté chez lui. Regardez, il est blessé, il vomit, il va pas bien. Elle, oh super, donc je vais la récupérer. Laissez-moi vous aider. Voilà, et je vais l'emmener avec moi, on va dire aux urgences, rapidement. Il y a plein de séquences où vous transportez un personnage sur votre dos dans ce Spider-Man.
et vous devez l'amener sain et sauf à l'autre bout. Donc ils apprécient pas toujours les petits voyages en toile. C'est un peu... ça donne un peu envie de vomir, il faut bien le reconnaître. Ah, voilà l'hôpital. Accrochez-vous, madame. Voilà. Les gens deviennent vraiment très bizarres à travers toute la ville. Voilà, vous l'entrez et je vais la déposer là avec tous ces malades. Voilà. Tu veux pas descendre? Il faut me lâcher, madame, maintenant. Merci. Je me souviens, j'ai des photos à prendre. Ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne des photos de temps en temps. Donc, bah, par exemple, j'ai toujours mon appareil photo sur moi. Donc, je peux sortir l'appareil photo et prendre en photo des gens contaminés. Je peux zoomer un petit peu. Voilà. Et puis, je pourrais toujours essayer de vendre ma photo à mon journal, où ça peut servir de preuve parfois, parce que Oscorp, là, la corporation chelou, évidemment, est mouille dans pas mal de trucs, est trempée dans pas mal de trucs. Donc, de temps en temps, il faut prendre des photos pour prouver qu'ils ont fait des trucs pas très nets. Bon, en attendant, moi, j'ai envie d'aller m'occuper de cette petite banque. Donc, vous avez vu toute la ville de New York reconstituée. Ça fait toujours plaisir à voir. Et on peut vraiment tout faire, grimper sur les murs, voilà, se coller au plafond. Enfin, il y a vraiment... On peut tout faire. Tout ce que Spider-Man sait faire. Et je sais pas pourquoi, j'avais un peu été déçu par les derniers Spider-Man. Tous ceux qui étaient récents, ces 5 dernières années, je trouvais ça vraiment pas terrible. Alors que j'adorais ceux qui se jouaient sur la PlayStation, sur la première. Les deux premiers Spider-Man étaient vraiment super. Et puis je trouve qu'après, ça s'est perdu. Bah là, je retrouve vraiment mes sensations de jeunesse de la PlayStation. Bon, par où on rentre dans cette banque? Une boule d'aération, je parie. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe. C'est une mission pour Spider-Man. Vous avez vu mon t-shirt vintage? J'adore, il est super classe. Ça fait, je crois, 6 ans que je l'ai acheté. Taille L, c'est trop petit pour moi. Et j'appelle ça le t-shirt de la victoire, parce que quand j'arrive à maigrir, je rentre dedans, sans qu'on voit trop mes petits bourrelets disgracieux. Donc aujourd'hui, je suis fier de porter le t-shirt de la victoire. Voilà, c'est un message à tous les geeks qui se trouvent trop gros. Un message d'espoir. Alors, la banque de Saint-Gabriel attaquée par... Oh mon Dieu! Ah, mais je veux bien la ligoter, elle. Il n'y a pas de problème. Je le répéterai pas. Les codes. C'est Félicia, une saleté, mais bien gaulée. Je vais vous donner les codes, mais ne me tuez pas. Chef, il y a des flics partout ici. Pas moyen de sortir. J'aime bien les voix, c'est très comique. Ils parlent comme ça, parfois. Et vraiment, je trouve ça assez réussi. Les dialogues sont pas mal. C'est ce qu'on aime aussi dans Spider-Man, c'est qu'il se bat, mais il balance des petites vannes en même temps. Et peut-être vous en entendrez quelques-unes, et souvent, les vannes sont plutôt bien trouvées. Donc voilà, acrobatie, bagarre, entortillage de malfrats dans des toiles, il y a tout ce qu'on aime, vraiment, dans ce jeu, je trouve. Alors que les autres, là, Spider-Man Dimension et tout, ça se perdait un peu dans des trucs un peu obscurs. Là, moi j'aime bien l'idée d'être lâché dans une ville et de pouvoir remplir soit des missions pour faire avancer le scénario, soit des trucs... Tiens, on va leur faire tomber le lustre dessus. Voilà, ça va les calmer tout de suite. Ou pas. Vite, alors quand c'est comme ça et que ça tourne mal... On se replie au plafond. La touche génia, c'est la touche L2 qui vous met dans un coin soi-disant sécurisé, un peu à l'abri. C'est-à-dire qu'on est censé pas trop vous voir. Voilà, sauf que là, ça a raté et je suis un peu mort. Mais c'est la touche de panique en gros. Quand vous appuyez sur L2, pouf, il va se coller au plafond dans un endroit à peu près sûr. Là, j'ai pas été assez rapide pour le faire. Faut dire que mon approche avec le lustre était pas terrible. Je vais vous refaire les choses comme il faudra qu'elles soient faites. C'est-à-dire que là, j'ai bourriné, mais il faut vraiment pas. C'est ça aussi Spider-Man. Il a bien reçu appris les leçons de Batman, puisque effectivement les derniers jeux Batman sont vraiment super. Donc il y a beaucoup d'infiltration, et notamment regardez les éliminations furtives. Je suis au plafond et je vais choper un mec par en dessous, voilà, et on va le coller au plafond. Ça, on est tranquille. Déjà, ça en fait un de moins. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, ça marchait, on répète. Oh là là, c'est vraiment la rentrée, hein, c'est incroyable. Je retrouve vraiment mes marques, alors là, je suis content. J'ai fait ça 300 fois sans aucun problème, et là, je me fais buter au premier mec. Non mais je rêve, on croit rêver. Voilà, bon, n'empêche, j'ai bien mes yeux, et je me suis bien éclaté. Vous avez vu qu'il par endroit, il y a des petites pages de comics à récupérer. Bon, c'est toujours bateau, hein, ces trucs-là, on s'en fout en général. Sauf que là, quand vous avez récupéré 30 pages de comics, par exemple, eh ben, vous avez le droit de débloquer un vrai comics de Spider-Man. Donc par exemple, il y a le Spider-Man numéro 1, le premier épisode de Spider-Man.
Bon, je peux... Voilà, quand même. Et vous pouvez vraiment l'avoir en entier et le consulter en zoomant sur les pages, en passant de page en page. Enfin, c'est vraiment... ils ont vraiment bien fait le truc. Et il y a une trentaine de comics qui ont été digitalisés comme ça, qu'on peut vraiment regarder tranquillement. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est une super idée. Et pour une fois, c'est un bonus pas, pas ridicule, qui donne vraiment envie de fouiner partout et de trouver toutes les pages de comics, plutôt qu'un truc un peu bateau qui sert pas à grand chose et qui amène juste quelques bonus. Bon, évidemment, il y a aussi des trucs à récupérer, des combos, des trucs comme ça. Allez, ce coup-ci, je leur lâche le lustre sur la tronche, en espérant que ça suffira. Oula, là, il y a un sniper, il faut que je m'occupe de lui. Donc là, hop, je passe en mode ralenti, vous voyez. Ça me laisse le temps de repérer le sniper et d'aller m'occuper de lui directement. Ce que j'aurais vraiment dû faire depuis tout à l'heure. J'ai juste un tout petit peu oublié. Ah, là, il y a un autre sniper. Je vais aller me foutre par là-bas. Allez, un peu de bagarre traditionnelle. Donc, vous voyez les petits mouvements que je peux faire. C'est quand même impressionnant. Je peux évidemment choper les mecs dans ma toile. La toile permet aussi de, comment dire, de boucher les flingues. Oh, vite, 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 la touche panique. Où il est, où il est, où il est. Je sais pas où il est, mais je vais aller planquer là-bas. Ou alors je me mets simplement au plafond et je me fais un peu oublier deux minutes. Voilà. Ça c'était une bonne idée. Alors après c'est toujours troublant quand on marche au plafond, vous voyez, on a... Pardon. On a du mal à trouver ses repères. C'est la poussière qui est au plafond qui me fait tousser. Ça, regardez, c'est mon petit cocon tout à l'heure. T'as l'air con dans ton cocon. Je peux y arriver, je peux y arriver. Avec une bonne ligne de tir. Il panique, sauf que moi non plus, je sais pas où il est. Ah, il y en a un là-bas, vite. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ils ont nulle part où aller. Oh, je pourrais le frapper avec la toile, mais je vais aller plutôt me mettre au-dessus de lui. Voilà, tranquillou. Pas prendre de risques. Et on va lui faire une petite élimination furtive. Alors, il faudrait que je remette un peu au plafond. Il m'a pas vu. Peut-être par là, pour être plus près. Hop, élimination furtive. C'est pas facile à dire. Par contre, c'est facile à faire. Et ça me facilite grandement la vie. Ah, où est-ce qu'il est, lui? Où est-ce qu'il est? Vite, planquons-nous. Ce serait quand même con de me faire buter dans la banque dès le début. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi, hein, je suis un peu tendu, mais... Ah, mais il est là! Allez, allons-y, direct. Vous voyez, on peut l'avoir quand même de relativement loin. On peut enchaîner les combos, évidemment. Et quand on enchaîne suffisamment de coups, on se retrouve à pouvoir placer un super combo qui déchire. Voilà pour toi! Par ici! Désolé, j'ai frappé! Désolé, j'ai frappé, vous voyez, ce genre de petite blague, c'est pas mal quand même! Voilà, ça c'est fait et je. L'achève d'un petit coup de toile. Prends l'uniforme de cible et va sécuriser le hall. On peut pas dire que ces cibles soient des flèches. Ce garde a besoin de moi. Ah, il y a un garde qui a besoin de moi, mais je ne sais pas où il est. Bon, on va essayer d'aller le sauver. Bon, j'ai quand même bien fait le ménage. C'est déjà pas mal. Peut-être monter à l'étage. C'est génial de pouvoir se balader où on veut, quoi. Il y avait déjà ça un peu dans Batman, donc oui, vraiment, ça reprend des idées de Batman, ça reprend des idées de Prototype aussi, de Infamous, enfin voilà, ça mélange beaucoup de choses. Mais tant mieux, après tout. C'est pas super original, d'accord. Certains préféreront Batman, sûrement, mais moi, j'adore Spider-Man, du coup. C'est comme un gosse. Je suis super content de le retrouver. Et ça fait vraiment plaisir. Ah, amélioration disponible. Ouais, je vous ai pas fait voir ça. J'ai réussi à débloquer un petit truc. Je peux améliorer quelque chose. Ça, c'est les trucs technologiques. Voilà, donc voilà, il y a plein de trucs. J'ai m'acheté par exemple une frappe d'artillerie. Non, ça, c'est pas terrible, c'est pour désamorcer des tourelles. On s'en fout un peu. Point de toile, voilà, ça va augmenter la puissance de ma toile. Ça tombe bien. Alors, il est où ce garde qui a besoin de moi? Je tourne en rond dans cette banque depuis tout à l'heure. Pas tellement d'aventure hein, dans mon épisode de Spider-Man, je suis désolé, je m'en mets un peu les pinceaux. Ah, c'est la rentrée pour tout le monde, hein, c'est dur. Pas facile de s'y remettre. Ah, mais il devait être là, juste là, en fait. Juste dans la pièce à côté.
Ah bah voilà, j'étais pas parti du bon côté. Alors allons-y. Donc ouais, regardez, je peux utiliser des éléments du décor, comme par exemple ce distributeur de boissons, et leur offrir un petit rafraîchissement à tous. Tout de suite, ça les calme. Voilà. Donc entre la toile, la bagarre, l'utilisation du décor, on peut vraiment faire des trucs sympas, on peut vraiment se marrer, il y a des vrais combos de jeux de baston, et puis tout ça avec classe et élégance, quoi. Voilà, Spider-Man, en un mot. alors il est où le gardien qui m'a appelé au secours? J'ai besoin d'aide ici, Spider-Man! Mais ne crie pas, je suis là! Voilà. Je dois trouver le directeur. Vous pouvez m'aider à atteindre le coffre? Je sais pas, en suivant les conduits d'aération dans son bureau. Mais il faut obtenir l'accès dans la salle de contrôle. Tapez 0601 sur la console pour ouvrir les portes. Ça, c'est quand même une banque, vous voyez, qui est accueillante avec le client. Vous venez masqué dans la banque et tout, et ils vous filent les codes du coffre. C'est pas la Société Générale, la Caisse d'Épargne, au Crédit Agricole, qu'on ferait ça, je pense. Alors, voilà, donc là, bah, maintenant, je peux tripoter cet ordinateur. Et je vais pouvoir accéder un peu plus loin. Oh, merde, encore deux brigands. Ça devrait fonctionner. On bouge plus! Tu viens avec moi! Et comment je fais pour te suivre si je dois pas bouger? Eh oui, toujours de l'humour, le Peter Parker! Allez, allez, oula, il va du monde! Dame Ned! Secteur 3, ok! Ah bah j'ai plus grand chose à faire, moi! Tout de suite! Vos mains en évidence! C'est bon! On s'en occupe, vous pouvez y aller! Je veux pas qu'ils croient que je suis avec ces types! Quelqu'un! Alors c'est tout le problème de Spider-Man, il est toujours pris entre deux feux. La police lui court après, les malfrats aussi, les mutants, les robots anti-mutants, enfin voilà. Que des ennuis, donc pour ça c'est bien trouvé. On retrouve vraiment le côté Spider-Man maudit qui peut pas vraiment faire tout ce qu'il veut. Alors, il faut que j'utilise des conduits d'aération dans le bureau du directeur. Je sais plus où il y a le bureau du directeur. Mon pote ne peut pas m'aider. Ce serait bien bon de m'indiquer le bureau de la direction, mon brave. Peut-être là-haut. Donc je vais y aller tranquillou. Voilà. Ouais, je pense que c'est par là. Hop. Descends, oui, ça ressemble bien à un bureau de directeur, ça. Tiens, d'ailleurs, regardez. Voilà des preuves que la société Oscorp n'est pas innocente. Bon, faut que j'arrête de me promener sur ce bureau. Regardez. Un dossier Oscorp sous une tasse à café. Je prends en photo. Voilà. Comme ça me fait une preuve qu'ils sont mouillés dans cette affaire. Très bien. Donc, c'est pas mal de jongler entre tous ces trucs à chaque fois. Je trouve ça vraiment réussi. Oh, les têtes de banquier. C'est pas possible. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Faut que je rentre dans cette bouche d'aération. Donc, beaucoup de bouches d'aération. Ça a toujours été ça, hein, les Spider-Man. Mais même lui, de temps en temps, il balance des vannes. Oh non, encore une bouche d'aération, je vais vomir, j'en peux plus, etc. Regardez, sa façon de se faufiler dans les couloirs est plutôt sympa. Donc, on va continuer. Essayer d'avancer dans le braquage de cette banque. Au moins mettre la main sur la belle nanette là, dans son petit costume sadomaso au cuir. C'est juste pour faire plaisir à notre collègue Médoc, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de la choper, de la ligoter. Ce serait pas mal. Oh là là, on me tire dessus. Bon sang, bonsoir. Ne nous laissons pas faire. Alors vous voyez, dès qu'il y a des petits traits au-dessus de ma tête, c'est mes sens d'araignée qui sont en alerte, bien entendu. Et donc ça veut dire qu'il faut que je réagisse très vite. Donc là j'appuie sur triangle et j'esquive le coup qui m'était destiné. Dès que vous voyez des petits traits au-dessus de sa tête, faut y aller, faut esquiver. Et en général ça se passe plutôt bien. Voilà, tiens, tournicota. Moi j'aimais beaucoup ça dans les premiers Spider-Man, toutes les utilisations de la toile, ligoter les mecs, les suspendre au plafond et tout, je trouve ça vraiment chouette. Alors c'est vrai que depuis on a vu ça plus ou moins dans Infamous, dans Prototype, dans Batman, etc. Ça a peut-être perdu de son originalité. Mais moi après avoir vu le film Amazing Spider-Man, j'avais vraiment très envie de jouer à Spider-Man. Et pas autre chose, pas un gars qui ressemble à Spider-Man. Je voulais le vrai Spider-Man. Pour moi c'était très important. Donc je suis comblé avec ce jeu, vraiment. Autant les adaptations de films c'est pas terrible hein, en général, et je vous le dis toujours, hein, faut s'en méfier comme de la peste parce qu'en général... Les gars se foulent pas, hein. Ils savent que le film a marché, donc le jeu va marcher aussi, donc ils se fatiguent pas à faire quelque chose d'original. Mais là, vraiment, voilà, ils sont... On peut pas dire qu'ils se sont cassés le cul, parce que il y a certains moments de level design qui sont un peu paresseux, on retrouve un peu les mêmes trucs, sans vraiment trop de raison. Donc, de temps en temps, ils ont un peu fait les feignasses. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Oh, la voilà. Je vous l'avais promis pour la fin de ce chez Marcus. Mais non, elle va se barrer. Ah bah bravo. Oh, tu te fais bobo. S'enfuir par le métro.
Très bien. Donc vous voyez, là par exemple, je trouve ça pas mal. Ça commence comme un casse dans une banque, et puis ça finit dans le métro. Donc deuxième étape du truc, voilà, vous allez vous retrouver dans des wagons de métro éventrés. Regardez, c'est classe en plus de se déplacer à l'intérieur comme ça. Voilà, toi tu vas pas m'embêter longtemps. Voilà. Ah, il avait un petit camarade. Voilà, je vais lui jeter dessus. Des fois, il ligote deux mecs en même temps. Il fait « Ah, vous êtes mignons tous les deux !»« Je veux pas gâcher votre intimité !» Des trucs comme ça. C'est assez drôle. Donc voilà, je trouve ça bien. Les combos sont plutôt riches. C'est spectaculaire, assez simple à faire, et en même temps assez logique. Certains adversaires, il faut vraiment les choper dans le dos pour arriver à faire quelque chose. Et puis d'autres, enfin, voilà, ils ont chacun leur petit point faible et leur façon de... on a plusieurs façons pour en venir à bout. Donc voilà, puis regardez, mon costume commence à être un petit peu rayé, un petit peu abîmé, donc ça aussi, c'est pas mal, ce Spider-Man fragile. Quand vous finissez contre un boss de fin de niveau, c'est des robots géants, des trucs absolument monstrueux, souvent vous avez votre costume qui est en pièces, et on voit plus de la peau que du costume, au final. Voilà, bon, je crois que je me suis perdu dans le métro, donc je vais vous laisser là, je changerai à Châtelet pour retrouver mon chemin. Je vous fais un gros bisou, c'était le premier chez Marcus de la rentrée. C'est sûr qu'avec un démarrage pareil, je ne peux que faire mieux tout au long de l'année. Donc rendez-vous très bientôt pour la suite de mes aventures. Ciao !